Quand je dirai à Monsieur le Président de la Transition que encore moi je suis orphelin de père, j'ai ma maman qui vend la cigarette pour me payer des fournitures. Moi je suis étudiant à l'université au Mabongo, mais j'ai dû laisser mes études en licence 2. Pourquoi? Parce que je comptais déjà sur ce concours, parce que j'avais donné tout ma possibilité pour gagner ce concours. J'ai eu mon écrit, j'ai eu la pratique. Maintenant, arrivé aux visites médicales, si vous savez comment nous avons fait pour trouver les 65 000 pour payer les visites médicales. Nous sommes vraiment dessus, Monsieur le Président. Nous voulons que vous faites quelque chose pour nous, les Gabonais. Merci. Monsieur le Président, vraiment bon. Moi, je vais prendre mon cas. Moi, c'est mon cinquième concours que moi, je passe là. Les exemplaires du bac sont en train de finir à la maison. Je ne sais plus quoi écrire. Je ne connais même plus là où aller. C'est que moi, dans ma tête même, c'est que je ne sais même plus. Le concours là, c'était mon dernier, le soir, mon devant, mon derrière. J'essaie un peu de m'exprimer en mode chez nous. Je ne peux pas parler que je laisse. Non, moi, je suis fatigué. Je ne connais plus où aller. Monsieur le Président, essayez de voir, Monsieur le Président, pardon. Je suis à bout de souffle, sincèrement. Faites quelque chose, parce que là, je n'ai plus de mots, sincèrement. Merci. Monsieur le Président, que justice soit faite, c'est tout. C'est la seule chose dont nous voulons. Nous voulons avoir les preuves que nous sommes malades ou bien on a, je sais pas, une maladie qui prouve que on n'a pas eu ce concours. Il n'y a rien qui prouve qu'on n'a pas eu ce concours. Nous voulons le changement, monsieur. Donc, on veut juste le changement. Nous voulons le changement. Parce que pas comprendre. C'est vraiment de ce vers la félicité. On veut le résultat, c'est tout. Comment se fait-il que dans trois provinces, Lambaréné, Franceville, Port-Gentil, il n'y a aucun admis aux examens finaux. Tout est refait. Est-ce que comme ça, c'est bien? Tout n'est pas bon. Donc les 272 candidats, moyenne au gré, ils sont malades. Non, je ne crois pas. Monsieur le Président, je réitère, on est jeunes Gabonais. On est là, c'est pour... C'est enfin notre que sauver la félicité. Mais on ne voit pas cette félicité jusqu'à présent. Depuis août qu'on a fait. Depuis août, hein? 8 mois de haut. Nous sommes toujours à la clé. Nous sommes toujours là. On ne comprend plus rien. La jeunesse est sacrée, c'est ça? Nous voulons que la jeunesse sorte du chômage. Donc, libérez-nous les noms, c'est tout. C'est enfin le chant vers la fête. Vous mettez tous les mêmes gens de là-haut, monsieur le président, vous aussi. C'est maintenant notre tour. Nous, la jeunesse, on veut aussi s'exprimer. Montrer nos qualités. Vous aussi, monsieur le président. Enlevez un peu les vieux papas là, qui sont là du milieu, en train de nous voler.